Salut à tous, c'est Boxa. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre petite série survie d'horreur en 1.11 évidemment. Donc là j'ai réinstallé Optifine en 1.11, du coup voilà, hein, voilà. Tout ce que j'avais à dire. Allez salut. En gros, alors déjà, je crois qu'il y avait un petit problème de son sur l'épisode précédent. Du coup on va baisser un petit peu tout ça, parce que sinon on m'entend quasiment pas dans la vidéo et ça vaudrait pas le coup. On met ça 40, 30 ou des conneries comme ça, voilà. Créature passée, on s'en fout, voilà. Je pense que ça ira comme ça. J'ai déjà fait un test son, ça devrait le faire. Alors, on se remet dans le game direct. Bon, par contre, la luminosité sur moi-même n'est pas top pour la simple et unique raison que si, avec cette petite chose, je lève le volet, ce sera beaucoup trop. Vous serez ébloui à cause de la lumière en face, en fait, c'est pas trop con. Et si je les baisse, en fait, vous ne me verrez quasiment plus. Donc je pense que là, c'est, on va dire que c'est potable. Excusez-moi de cette vidéo faite avec du scotch et du carton, mais bon. Voilà, c'est ce bruit-là qui est casse-couille, en fait. Mais bon. On va s'y faire, c'est pas grave, on enlève une oreillette comme on fait d'habitude. Sinon, en fait, j'ai l'impression d'être gonflé à l'hélium. C'est parti! Alors, déjà, j'ai vu en arrivant directement dans la partie. To avoid the beast, turn off your flashlight and do not walk or jump. You can move while you're sneaking, and the beast will not hear you. You can also use your camera and see where the beast is by sneaking. Je suis anglo-saxon, américano-latinophobe. Ça s'entend très bien. Donc en gros, faut éviter pour éviter le machin, la bête, faut éteindre la lumière, ne pas marcher, ne pas sauter. Et rester en sneak tout le temps, quoi. Donc en gros on va marcher à côté de lui, on lui serrera la main, mais il nous verra pas du tout. C'est parti! Donc let's do this. Donc je sais où est le monstre, hein, parce que j'ai fait quelques tests avant, et c'est plutôt drôle. Il est juste dans le coin, donc on va arrêter la... Ouais non, on l'arrête maintenant. Hey, t'es gentil. Bon, on va y aller en sneak à partir de maintenant. Je tiens à le dire, il est juste là cet enculé. Ce FDP fait mal. Il dit qu'il faut pas de jump, mais... Eh, enculé! Ah, vous le voyez, là, normalement. Eh, sale bâtard! Eh, par contre, j'ai tout oublié de jump. Et... Qui c'est qui va avoir peur? Bah, le truc, c'est que... Je crois qu'il est un peu con en fait. Mec, tu regardes un mur là. Si je fais clic droit malencontreusement, j'ai l'air con. Hein. Donc on va vite se barrer. Enfin, vite, c'est pas le mot, mais. On va se barrer tout simplement. Dites-moi que c'est des escaliers. C'est effectivement des escaliers. Enfin, des dalles. Ouais, il est quand même un peu con ton monstre, hein, moi je dis. Bon, pour déconner, j'ai juste envie de lui mettre la lumière dans la gueule, mais après il va me poursuivre. Ça serait con de finir là, quoi. La porte est juste là. En fait, c'était plutôt tranquillou. Mais tout à l'heure, ça l'était moins, bizarrement. Oh merde. Je croyais qu'il m'avait vu. Ça fait du bruit avec les clés, en fait. Allez, salut ma biche. Bon, je sais qu'on va le revoir après. On va rester quand même en sneak, quelques mètres après on court. Bon, c'est quand même bien fait, mais pour le coup, là, je vois pas quoi ça fait. Pourquoi il veut pas cliquer? Bon, allez, on porte nos. Je peux finir ma phrase? On porte nos couilles. Je sais pas pourquoi j'y vais en sneak là. Mais non, mais pète le livre. Alors ça, c'est non, faut arrêter. C'est chiant. Bon. 11 février 1977, Helen was found dead. Ok, donc en gros dans les dortoirs, il y a une meuf qui est retrouvée morte avec des lacérations sur son bras. Je sais pas si ça se dit lacération aussi. Moi je sais pas en gros. Elle était lacérée. Juste comme elle a des symptômes. Je suis effrayé. Ils préfèrent tout le talk about it. Voilà. Donc ils n'en parlent pas aux employés et tout, parce qu'ils savent très bien qu'ils se font du pognon, donc ça serait con
d'apeurer tout le monde. Ah, j'ai eu peur. Ouais, bon, tu peux laisser. Voilà. Yes! C'est quand même bien fait ça. Bon, je sens que le monstre, on va le croiser. Enfin, si ce n'est que croiser. Ah, là, c'était l'endroit dans l'épisode précédent où on ne pouvait pas passer. Très clairement. Sneak to Hunter. Oh, c'est trop stylé! Attendez, on va peut-être aller voir en arrière. Eh, hey, pète-le, c'est chiant là! Oh, kikine à la fin. 13 septembre 1977, thanks to all this money, purchase house in the forest, we still not really. Ouais, bon, ça je vais pas traduire parce que ça sert un petit peu à rien. Hop, ça c'est quoi ça? Un billet? Eh, c'est de la thune! Ouais, moi je veux de la thune, moi. Bon, et c'est chiant pour prendre les trucs par contre. Ah non, c'est une carte. Magnétique card. Ok. Bon, bah c'est parti. Bon, si j'ai des petits freeze, j'ai pas envie de dire que c'est normal, mais. Bah, c'est normal en fait. C'est parti pour aller dans les conduits d'aération. C'est marrant parce que je sens le petit screamer là. Parce qu'il y a tellement de virages que on peut pas s'attendre à quelque chose de droit et linéaire, si je puis me permettre. Qu'est-ce que. Et là, c'est un troll. Genre, on peut monter. Comment veux-tu que je fasse? Je suis bloqué? Ah, d'accord, il peut juste sauter, d'accord. Pas mal. Mais je vois pas comment il fait pour monter, mais bon. À part s'accrocher bien aux parois comme il peut. C'est stylé. C'est très stylé, c'est bien fait. J'ai fait du bruit, je crois, donc il va venir me voir. Ok, on a un générateur. Ça fait penser à Outlast. Essayer de remonter, mais je sens qu'il est là, l'enculé. Putain. Fils de pute, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, donc là il m'a foutu dans une espèce de toile. Et là ça va être encore plus glauque qu'avant. Ah les mecs là c'est pas drôle en fait. Donc pas de lampe torche, on ne marche pas, on ne court pas, on va se faire foutre hein, très clairement. J'aimerais juste savoir où il est. Je crois le voir ici, mais je suis pas sûr. C'est lui là? Putain les gars. Ah, ce genre de screamer d'enculé qui m'ont fait. Qui m'ont fait. Peut-être pas tomber là parce qu'en fait ça va faire du bruit, il va pas trop aimer l'enculé. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai juste passé derrière son dos, donc s'il me sent pas, il y a un petit problème. Je fais du bruit quand même dans les escaliers. Mais il va me choper, c'est obligé. Hé, connard! Mais attends. C'est-à-dire que je dois passer dans. Derrière lui en fait. Je lui fais la bise. Quel enculé. Bon bah écoutez. On va le faire. Hein. On va le faire. Eh. Oh tu dégages. Oh le fils de. En même temps, faut être trop con pour. Voilà. Bon bah allez, on fait encore une tentative, hein. C'est pas. Pour où il faut que je. Eh, ta gueule! Eh, merde, merde, merde! Ah, faut que j'essaye de la tirer. Comme ça. Eh, bâtard! Oh! Ah, ça fonctionne pas trop bien en fait.
Bon, va falloir trouver une solution. Pas rester là. Une trappe? Non. Eh bâtard! Merde, 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 je suis encore bloqué. Vas-y. Non, 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 non. On dirait un 2-3 soleil en fait. Ah, je suis là, je suis plus là, je suis là, je suis plus là. Ah non, il est en train de sauter là, c'est pas trop bon. Je vois plus. Ah, il est là. Là, tu me vois plus, hein. Non, c'est pas possible. J'ai dit que c'était pas possible, tu peux pas. Triche pas, hein. Salope. À mon avis, vous devez même pas le voir tellement qu'il fait noir. J'essayais quand même d'augmenter la luminosité, je crois qu'elle est à 80%. Mais sur YouTube, en fait, ça va pas être terrible. Ah, il me suit pas, ok. Oh! Je peux courir ou... Ah, j'ai pas trop envie de recommencer donc bon. Magnetic card, c'est pour aller où ça? Retourne en arrière. C'est pas que ça m'emmerde, mais un petit peu. Pourquoi devrait-on marcher? Et au pire, tu me files un flingue ou une épée, je le finis dans ma chambre. Parce qu'on est d'accord, il n'y a que lui. Par le squelette qui m'avait foutu les jetons. Épisode d'avant, je vois pas trop. Bon, les filles, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Ouais, bah vas-y, viens, je t'attends. Click here. On peut pas inverser le processus? Moi, j'ai envie d'inverser le processus. Magnetic card, ça va où ça? On va forcément trouver une solution. Bon, on va remettre l'électricité. J'avais mis un groupe électrogène si je me souviens bien. Il sert à quoi ton groupe électrogène? Activer le truc pour les gueules. Activer un truc. Ouais, un truc pour la carte. Là, c'était totalement inutile de venir. Ouais, ça sert à rien. Ah, je crois que j'ai. Ah, j'ai cru que j'ai pris la pioche. Non, le dépop juste. Bon, vu que je l'entends, genre trop bien le monstre, ça m'étonnerait pas qu'il me foute les jetons. C'est peut-être la magnétique card. Power went out again. Ouais, je m'en doute, mais je veux dire, t'as mis un groupe électrogène, c'est pour faire quoi? C'est pour allumer la plaque de cuisson, PTDR? MDR lol. Bon, c'est bon, on va pas s'emmerder à passer en sneak, même si là à droite, c'est pas grave. Enfin, à droite, on sait plus trop, parce que là, on a pas vu bouger. Enculé. Ah, magnetic card. Si, ça c'est un truc pour passer la carte. J'en suis sûr. Si, c'est un truc où on passe la carte. Et cet enculé là va être là. Si. Non, on me la fait pas celle-là. C'est ça. Je sais. Mais attends, c'est quand même moi qui ai fait le mode. Enfin, la map. Mec! Ah, yes. Bon, bah, on y va. Sortie de secours, c'est ça? On va pas lui péter la gueule. Bah pas maintenant alors. Bah tout à l'heure alors. Tout à l'heure alors, peut-être. Page 119. 2 novembre 1978. Liz is more tired. She begins to have a seizure thanks to the doctor. En gros, Liz est près de crever, mais les docteurs essayent de ralentir le processus de... De mort, si on peut dire ça comme ça. C'est stylé ici, j'aime bien. C'est aussi stylé pour les apparitions de monstres, parce que je vois. Bon, j'ai la voix qui part en couille. Quand je gueule, je tiens à préciser que j'ai à chaque fois un truc dans la gorge. Ce qui fait que ça va. Oula, oula, c'est quoi ça? C'est quoi cette entourloupe? Je me fais pas baiser comme ça. Ils vont pas maintenant. Non, je pense à un truc où il fait tout noir, t'es ouf, toi. Même si je sais absolument que je devrais y aller. Que je. De toute façon, je vais y aller. Oh, le fils de. M'a pas vu, m'a pas vu, m'a pas vu, m'a pas vu, m'a pas vu. Oh, l'enculé! Mais il est partout, celui-là. Je sais pas qui venait jusqu'à... Ah, ça va? Salut mon bouchon!
Ah, t'es mignonne quand même. Alors, il réagit à la lumière, mais pas au flash. T'étais pas. Pourquoi tu me suis comme ça? Tu veux que je te pète la gueule? Tu veux que je te pète la gueule? Pourquoi il me suit? Eh mec, tu me fous les jetons là. Tu peux pas me suivre. Tu m'entends pas, tu me vois pas, c'est. Ta gueule, casse-toi. Par contre, je suis très sérieux là. Alors, donc. Oui, ben non. Tout à l'heure. Bon, on va aller dans l'endroit où il fait noir, de toute façon, c'est ce que vous aimez, c'est ce que vous voulez voir. YOLO! YOLO! Quoi, y'a rien? Comment ça, y'a rien? Si, y'a quelque chose. Eh, ça fait super bizarre, on peut pas aller sur les côtés. Je sens le screamer, du coup, je me tourne. Ok, bon, on voit strictement rien. On va quand même essayer. Oh, en coffre, c'est marrant ça! Ah, vous le sentez pas, vous? Moi, je le sens très bien. Je. Ce screamer, vous le sentez pas? Non, non. YOLO! Are you lost? Je suis lost, effectivement. Ça fait quoi si on prend le. C'est ça, je suis totalement perdu. Et tu te fous de ma gueule, et comme si je savais pas qu'il y aurait un screamer. Je vais quand même crier, hein, je le sais. D'ailleurs, les textures sont très bien faites. Merde, faut pas que je mette le flashlight. Bon, t'appuies sur le bouton quand tu veux. Eh, c'est glauque ton truc. Screamer dans 3, 2, 1. J'avais le bon timer quand même. Screamer. 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 Toujours screamer. 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 Bon, c'est chiant de venir. Il veut que je mette ma lumière. Il veut que je mette ma lumière. Là, il veut que je ressorte. C'est son but. Mais je ne ressortirai pas, moi je retourne là-bas. Moi. C'est à ce moment-là où il faut se dire, je ne mets surtout pas ma langue entre mes dents, sinon je risque de me faire très très mal. Bon, mais en fait là je suis bloqué, donc il faut vraiment que j'en sorte en fait. Tout en se foutant de ma gueule, éventuellement. Je peux juste sauter et tout, c'est chiant. Là il m'entend quand même. Bon, il faut que j'aille où là? Eh, j'ai une fleur pour toi mon doudou. Eh, c'est l'enculé. À mon avis ça va quand même changer d'endroit. Même si c'est les mêmes blocs. Parce que s'il nous a fait mettre dans une boîte, appuyer sur un bouton, c'est pas pour rien. Ah, ben je me disais oui, mais je vais finir par le trouver. Je confirme. Ah, j'ai flippé, quand même. Bon, si on le rush, allez, on tente le rush. Rien à foutre au rush, allez, rien à foutre. Hop. Bon, si vous pouvez courir un petit peu plus vite, ça m'arrangerait légèrement, tu vois. Allez, 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 allez. On rush, rien à foutre. C'est par où? C'est par là, c'est pas du tout par là. Bon, ok, j'arrête le rush. Arrête de respirer comme un pauvre. Là-bas, j'ai vu. Non, y'a rien. Ça risque d'être très long. Éventuellement, oui. Mais comment tu peux m'entendre? Espèce de connard, je suis obligé de sauter. 1, 2, 3, soleil. Moi, ça me fait rire. Moi, ça, oui, ça me fait rire. Salope. Eh ben non, non, tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien. Merde, merde, merde. Par où il faut que je sorte? Telle est la question, telle est la question, effectivement. Par où il faut que je sorte? Ouais, par où il faut que je sorte? Je me recoiffe quand même parce que je suis plutôt BG.
S'il était par là, c'est que la sortie est par là pour me boucher à chaque fois la sortie. Oh! Baisse d'un ton, Daniel. Par là, je suppose qu'on peut pas y aller. Eh, c'est long votre truc là, c'est un peu chiant même. Ouais. Allez, hélico presto, hein, on perd pas de temps sur ce genre de choses. Qui pourrait m'amener là? Oh merde, je suis revenu au départ, mais quel gros con que Oh la sortie, putain, ça fait du bien de voir ça. Je vais quand même en sneaky parce que c'était tellement rare de voir ça. Et non, Oula, je lag un peu. Peut-être plus de place sur le disque dur, faut que je regarde. Non, c'est bon. Non, c'était la fin de la séquence, tout simplement, c'est pas bien grave. Est-ce qu'on rush? Ou quoi? Parce que je sens le screamer, donc en rush, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Ouais. Moi, je le sens bien, votre screamer. Genre vraiment bien. Parce que là, c'est. Si c'est la fin de la map, on retourne à la bagnole, ce qui m'étonnerait fortement. À mon avis, là, ça va nous emmener dans une autre ambiance, dans un autre univers. Encore bien flippant, mais dans la forêt, c'est sûr, il va se passer quelque chose. Surtout quand tu vois des rails avec un endroit complètement explosé, si tu sais qu'il y a eu un petit pépin. Je cours, quoi. Bon, allez. Ah non, là, avec la lumière, en fait, ça fait pas du tout. Hein. Beaucoup moins bien que la lumière. Ce qui n'est absolument pas logique, on peut se le cacher. Et il m'entend quand même pas à 500 mètres là, c'est pas possible. Surtout quand c'est juste marcher quoi. Une maison, c'est très rassurant, dis donc. Bon, ça fait peut-être un petit bout de temps que je tourne, donc on va peut-être arrêter. Ah, ouh! Bien écoutez les gens, on va se laisser là-dessus avant de rentrer dans cette petite maison. Moi je dis à la prochaine pour d'autres petites vidéos, pour l'épisode 3, pour d'autres genres de vidéos, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous aura plu, laissez des coms, des petits likes, ça fera toujours plaisir. Allez la bise!